Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Il y a un peu de vent, mais c'est normal, nous sommes sur les toits de Tokyo. Et comme vous le voyez derrière, les activités ne s'arrêtent pas. Parce qu'aujourd'hui, on va faire un 5 contre des Japonais, avec des abonnés contre des abonnés, sur les toits de Tokyo. Et on a tous un flow, bon, après à jouer au foot, hein. Ouais, c'est très approximatif. Film. Ça mon gars, ça va te choquer. Ça va vous choquer. Zach, il confirme. Yas, il a une grosse frappe de balle, je suis en mesure de confirmer ça. Hugo, toi, t'es pas mal. Moi, j'ai un flow qui est très approximatif, mais tu vois, j'ai regardé des compiles d'autres gardes là dans le métro pendant qu'on arrivait, donc je me dis, tu vois, je suis un peu dans le thème là. Normalement, c'est contrôle passe, vision de jeu, ça va. Et en fait, je suis très heureux parce que j'ai l'ambition de pouvoir vous offrir via cette petite session de 5 des images de Yas encore jouant au foot. Parce que parmi ces 19 matchs caritatifs et autres conneries où il a été invité, il n'y a jamais eu un seul extrait de lui qui est cherché, vous ne trouverez pas. C'est quoi ton but aujourd'hui? De marquer plein de buts. Tout simplement. Un objectif chiffré. 5 5 buts. 5 buts, ouais. Ça vient. Ah, le petit raté pied gauche, c'est dommage. J'étais devant la case. C'était échauffement ça. C'est de la gnognotte, c'est des gris-gris. Là, on se croit sur la PlayStation, c'est pas sérieux. T'inquiète, je vais te prouver là au deuxième tour. On a eu des occasions. Par contre, le but là, si vous le mettez, c'était Brosson. Parce c'était que Ankara Messi. Il y en a aucun de nous qui a compris ce qu'il a fait avec la balle. Vraiment, c'était. Non, il a fait un truc chelou et on a même pas vu son pied partir pour lever la balle. Genre, ça. Non, mais les gars, le mec joue en jean, en bob et il est venu en crocs avec un ballon attaché au sac comme si on était dans Olivier Tom. Donc, il y avait peu d'espoir concernant son niveau. Regarde, ça mon gars, c'est de la frappe, ça va leur rappeler des mauvais souvenirs. Mieux terrain, première balle, regarde bien, transversal rentrant, j'annonce. Et là, lui là, hop là, hop là. Clac. Vas-y, on va à Stussy, on en peut plus du foot, frère, on fait les boutiques. Mieux terrain, première balle, regarde bien, transversal rentrant, déjà. Ça a touché le poteau, hein. Ça a touché la barre, hein, tu l'avais dit. Hein. Ça a frappé ton point, Hugo. Pourquoi tu me filmes, gros? Aïe aïe aïe, un doublé, tonton. Mais Hugo aussi, hein. Non, mais parce que t'as grave, par contre, faut qu'on en parle. Moi, j'ai pris un petit pont salace. Maintenant. C'est ça. Ouh, dommage. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est maintenant. Come on, come on.
Corner. Le bâtard. Mais là c'est comme s'il me faisait un teabag. Il est trop fort. Le match est fini là, arrête de fumer. On a gagné. Résultat, 4 ou 5 matchs, toujours pas un highlight de Yass. Hein. Toujours pas un. Ça c'est les gens dangereux là contre qui on a joué parce que c'est des gens, ils réfléchissent pas. Du coup ils sont imprévisibles. C'est trop. Putain, mais c'est trop fort lui. C'est pas le meilleur truc qui existe sur cette palette là en vrai. Oh là 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 là. On sort d'une petite course de 8 km. Ça c'est la récompense. On a ces autres, ils sont dans le bon retour. Vous avez pas retenu les leçons du maître sushi. Il a dit les sushis c'est pas avec les baguettes. C'est pas mauvais. Un peu moi, regarde. Il veut flexer parce qu'il sait manger avec les baguettes. Par contre, il faut que le jour quand fallait faire les sushis, fallait voir. Tes mauvaises langues, c'était pas si mal. Là, c'est un mot là-dessus. Mes sushis la dernière fois. Quand il a fait, mais pourri à chier. Les amis, on a fait le 5 ce matin, j'ai rajouté une séance de course. Les autres sont partis, on n'est plus que 4. Mais au final, est-ce que c'est pas les 4 meilleurs qui restent? Les 4 obligatoires, mec. Les 4 obligatoires. Obligatoires. Kezia, mon roi Hugo, mon Gauthias. On n'est pas ensemble, les mecs, dans le retour. Eux, ils doivent manger leur viande, leur nourriture pourrie, mec. Du canigou servi par Kinner. Regardez comment ça arrive en haut comme ça, boum. Tu commandes, tu manges. Je sors d'ici que quand je suis à deux doigts de me gerber dessus. Petit jus là. En plus c'est vendredi. Vendredi jus. Voici shrimp mayo. Donc c'est-à-dire de la crevette et de la mayo, du concombre, de l'algue. On va le foutre un peu de sauce comme ça. Lac. Les jus. C'est un choc là ou ça là de la frappe ça. Le jus de pomme. Le jus le plus obligatoire. Pour commander à manger. Hein. Moi j'ai faim moi mec. Hugo, je pense qu'on va switcher de face. Je veux un accès à la tablette. Il faut être entreprenant. Tu me donnes la tablette, ça me donne accès au fait de pouvoir commander. S'il te plaît mon podcast. Tuna, grill, sushi, 4 order. Age marinated tuna, 4 order. Putain, gros, on est tellement respecté là. Dans ces moments, justice. Hein. Franchement, justice. Mmh. Justice. Les amis, il y a encore un truc qui arrive. Oh là 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 là. Les sushis interdits. Les sushis qui ne sont pas japonais. Résultat, 10 minutes plus tard, c'est. Tu fais des doigts gerbés. Alors, en vrai, moi ça va, mais alors toi, Yass. On tire le rideau là. C'est pas bon. Tout ça là, j'ai trop mangé et je pense qu'il va avoir des conséquences terribles. Vendredi jus, il y a du jus. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis avec mon ami Yass, on est un peu serré, ça va Yass? Salut, bah ouais, ça va, tranquille. On s'est pas vu de la journée avec Zach. Ah, c'était du coup une très belle journée vu qu'on s'est pas vu. En vrai, là, on se retrouve enfin pour l'activité finale de ce voyage, celle qu'on vous avait teasée, celle dont on avait parlé. Et on est avec le même frérot que l'an dernier, Louis, comment vas-tu? Ça va quoi, les gars? La forme? Dans une voiture un peu plus sport, mais... C'est vrai que là, t'es venu nous récupérer dans une voiture bien sportive, là. Hein. Là, on est là pour les sensations, on le voit de toute façon au siège, regardez un petit peu. J'ai l'impression d'être un peu sur un siège gaming, là, mais en vrai, j'espère que t'es assis confortablement ou pas? On dirait un X-Racer, vraiment, ça. Aujourd'hui, les amis, donc comme vous a dit, à Tokyo, il y a une grosse culture des voitures, de tout ce qui va être tuning, drift et consorts. Et il y a un spot en particulier qui est très connu, c'est Daikoku. Louis, c'est quoi le programme ce soir? L'an dernier, on est allé, il pleuvait, là, il a l'air de faire plus beau quand même. Ouais, l'an dernier, c'était un peu galère. Enfin, c'était galère. On est arrivé, il était tard, il pleuvait, c'était le dimanche. Là, écoute, on est à l'heure parfaite, il est 18h, je crois, donc on va aller sur Daikoku. Samedi soir, c'est blindé. Normalement, les flics vont nous dégager un moment, donc on ira sur d'autres spots après. Vers quelle heure, tu penses? Allez, je parie sur 19h30, je pense. Ouais, c'est assez rapide, ça dépend. En règle générale, 19h30, 20h maximum. Moi, j'avais une question, Louis. Est-ce que tu fais toujours ton activité sur Airbnb ou pas du tout? Ouais, comme jamais. Comme jamais. En fait, là, je suis en train de... Ce que j'expliquais aux gars, c'est que je suis en train d'essayer de m'affranchir un peu d'Airbnb. Enfin, je vais garder mon tour sur Airbnb et je vais faire un truc aussi de mon côté. Donc, je suis dans des voitures un peu plus sportives, un truc un peu plus personnalisé, un peu plus axé sur la photo aussi. Trop cool ça. Donc là, je passe sur mon petit site web, ma petite chaîne YouTube, tout le délire. Parfait. Et j'essaie de développer un peu ma propre structure quoi, pour m'affranchir un peu de ça.
comme l'an dernier quand on l'a fait, et comme de toute façon pour l'activité sushi et samouraï, tous les liens sont dans la description. Si vous voulez vous aussi faire un petit tour avec Louis, sans doute que peut-être après avoir vu l'an dernier certains y étaient allés, bah, n'hésitez pas, c'est disponible. Et là on est dans une belle sportive, ça roule, je vous laisse profiter, regardez un peu la route là. Les voitures en soi c'est pas ma passion et tout. Moi je trouve ça toujours impressionnant de monter dans des voitures comme ça, même si, tu sais, je sais pas une voiture comme ça ce que ça représente dans le jargon mobile, si c'est vraiment genre un truc de fou. Celle-là c'est une légende, l'automobile. À l'époque, cette voiture-là, la Subaru, c'était. Enfin, la marque Subaru en général, à l'époque, c'était les voitures les plus rapides de démarrage. Ah ouais? Donc tu mettais coup de pied, tu partais direct. Mais même, tu vois, genre, être dans une voiture comme ça, ça me régale. Rien que ça, ça me régale, tu vois. Moi, je suis vraiment content. Donc, je sais que là, on va bien s'amuser et tout. Bah écoute, moi, j'ai confiance parce que là, soir, samedi soir, il y a du. Aïe. Il fait beau, tout ça, donc on va. C'est vrai qu'il fait particulièrement beau là. Beau, ça on a régale la fin de séjour. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand monde. Mais l'année dernière, vous avez pu faire le tour avec les mecs et tout, donc c'était cool. Les amis, l'an dernier, on était là. Il y avait de la pluie et pas grand monde à cause de la pluie. Là, il est même pas 19h. Il fait beau et regardez le monde. On va voir plein de voitures. On va essayer peut-être d'en monter dans une. L'an dernier, on avait payé des Japonais pour qu'ils nous fassent un petit tour dans leur bagnole. Ce serait marrant de le refaire, ça. Et en plus, Kezia, mon cadreur, c'est un passionné d'automobile. C'est quelqu'un qui kiffe tout ce qui va être photographie automobile et tout. On va faire un petit tour, on va aller chercher un petit truc à boire. On va voir si on peut familiariser avec les gens. Il y a Yas qui est en live et puis... On kiffe, franchement. Ah oui. Elle est bleue. Pardon. Elle est bleue. Pardon. Elle est bleue, en plus. Pardon. Oh là 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 là. Allez, regarde le petit détail multicolore à l'intérieur. C'est une quoi, celle-là? C'est Aventador. Ouais, c'est SV. Ah non, elle est en Spider. Ouais. Attends, Spider, c'est rarissime. C'est très très rare. Ouais, jamais, genre. Parce qu'en général, l'Aventador en Spider, c'est les SVJ. Ouais. Kezia va prendre quelques photos et on vous les intégrera dans la vidéo. Beaucoup parce que photos. Là, il y a beaucoup de photos qui arrivent. Là. On va faire un petit tour. Ici, c'est vraiment la définition de plus savoir où donner de la tête. Parce que tu regardes devant toi et t'as un bolide comme ça. Tu regardes derrière toi et puis t'as des bolides comme ça. Il y a du monde, il y a des gens qui filment. Et Louis, il me disait que c'était normal. Comment ça se fait que les gens ils viennent ici, ils montrent un peu leur voiture comme ça? C'est quoi le but un peu? Bah, je pense que t'as un truc de flex entre guillemets, tu vois. Il y a quand même de ça, on va pas se mentir. Surtout le week-end, tu vois. Ce que je te dis, le week-end c'est un peu Disney. C'est-à-dire que les mecs ils viennent, ils savent que maintenant t'as des gens d'un peu partout, tu vois, qui viennent photographier, filmer. Donc si t'as bien bossé sur ta voiture, t'es fier de ta voiture, tu viens la montrer ici, et, tu vois. Et après, à la base, en fait, c'est un spot depuis les années 80, tu vois. Les gens ils viennent ici, c'est pratique, c'est facile d'accès parce que t'as des autoroutes qui se connectent là, tu vois. C'est surtout un spot où les gens ils viennent, tu commences ici, tu viens rejoindre tes potes ou d'autres gens ou machin, et après tu vas rouler gentiment ou pas, tu vois. Mais c'est intéressant que tu dises ça parce que moi la première fois que j'étais venu l'an dernier, je me posais la question, mais est-ce que les gens ils le prennent pas mal qu'on filme ou qu'on photographie leur voiture? Il y a des streamers IRL, il y a des photographes, des vidéos dans tous les sens, j'ai l'impression, parce que ici en tout cas, c'est la norme. Non, ici c'est méga ok, tu vois. C'est vraiment vraiment ok. Les gens qui viennent ici, ils savent que tu vois, ça va être filmé, etc. Le week-end. En semaine, c'est un peu différent, mais le week-end, en fait, ce qui est cool, c'est que tu as vraiment les meilleures questions. Ok. Tu me disais que ça risquait de temps en temps le week-end de fermer parce que voilà, il y avait du bordel. Le commissariat, il est juste là. Ils sont sur le qui-vive, tu vois. Ils vont nous dégager, je pense, à un moment. J'avais parlé de 19h30. Il est 19h10. Il nous reste du temps. On verra bien. Je sais pas, peut-être que des fois c'est plus tard, des fois c'est 20h, mais en général 20h, dernier délai, il nous dégage. Mais on ira sur un autre spot juste après qui est pas très loin. Est-ce qu'on fait pas un petit tour et on regarde un peu qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais un tour du propriétaire. On y va. Allez, vas-y. Ils avaient besoin de plus petites voitures, il n'y avait plus de place dans Tokyo, les voitures étaient trop grosses. Donc ils ont. En gros, t'as plein d'avantages fiscaux, tu payes moins cher de péage, d'accord. Les parkings sont moins chers si t'achètes ces petites voitures-là. C'est des plaques jaunes en règle générale. Quand tu vois une plaque jaune, c'est des K-cars. Et ce qui est marrant, c'est qu'ici, ils les modifient, tu vois. Là, t'as des K-cars. Par exemple, sportifs. On le voit ici. En gros, ces voitures-là, elles avaient des avantages fiscaux, des trucs comme ça, pour toujours, pouvoir justement être achetées. Elles les ont toujours. Et en fait, tu payes. Mais t'as tout type de K-car. Tu vois, t'as des K-car sportifs. Là, tu vois, t'as un petit 4x4, le petit Jimny. Ah oui. Mais ouais, non, ici, donc, les K-car, c'est très populaire.
Dans Tokyo, pas trop. Si vous venez à Tokyo, vous n'allez pas forcément avoir beaucoup parce que les gens ils aiment bien avoir des grosses bagnoles et tout. Mais à la campagne, c'est. Je vais te sortir un chiffre un peu de mon chapeau, mais tu vois, genre, je vais dire 60% des voitures, c'est des K-car à la campagne. C'est toutes des voitures carrées, machin. Ça régale parce que l'an dernier, quand j'étais venu, je ne savais pas tenir un volant. Maintenant, j'ai le permis. Alors, pas de quoi. Je me vois pas conduire ici. Et donc, du coup, je commence à être un peu plus sensible, tu vois. Là, t'as un truc sympa. Oh là là, c'est pas sympa, c'est légendaire. C'est légendaire. Kezia, il s'est arrêté carrément pour vous montrer. Attends, ça. Attends, là t'as l'ancienne, la génération des années 90. Les premières. Presque les premières. Et là t'as la dernière génération avec un kit Liberty Group, donc c'est une entreprise qui fait des kits pour les voitures. En gros, t'achètes ta voiture, tu vas chez eux et ils te l'améliorent entre voilà. Guillemets, ouais. C'est que visuel. NSX. Là on est bien entouré. Entre les deux GTR35 Liberty Group. GT86, GT34, une allemande qui s'est perdue par là à gauche là. Le bleu comme ça c'est vraiment ma couleur préférée. C'est la voiture de la plus iconique je pense de cette scène donc JDM, ce qu'on appelle ouais. JDM. C'est laquelle? C'est la GTR34 en Osmo, donc là c'est la version boostée. Si on rentre pas dans les détails, c'est la version finale de la GTR. Bah, je me suis arrêté sur elle en disant qu'elle a un devant un peu regarde, chelou. L'arrière est sympa. Ouais, un petit turbo ça va chercher dans le ouais, ça commence à coter un peu maintenant. Et si tu veux la recette de base, c'est celle qui est là-bas. Ah, donc la voiture blanche là-bas a été transformée en ce truc. Ouais. Mais t'as des body kits sur la RX-7, il y en a des tonnes, il y en a qui voulaient faire ressembler à des Porsche 911. Ouais. J'ai vu vraiment t'as beaucoup de kits I2, on va pas se mentir. Attends, moi je suis un kéké des plages, hein, je vois ça, je trouve. Non, après elle envoie, tu vois. Mais je préfère en fait le design de la RX-7 originale est incroyable. Oh là 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 là. Ah mais ça c'est trop méchant ça. Moi je pense à ma minable Ford Fiesta 4 quoique je pourrais venir et la pimper un peu hein. Donc là on a vraiment des classiques. Ah bah tiens regarde, Zach à ta droite, c'est une nouvelle Supra avec un moteur BM dedans. En gros c'est marque japonaise avec un moteur allemand. Mais en fait, même carrément, tout est allemand dessus, malheureusement. Ouais. Enfin, malheureusement. Les puristes Toyota ont hurlé. Ça faisait 20 ans qu'ils attendaient le retour de la Supra et au final, c'est une Z4. Je commence à comprendre un peu le délire. Maintenant que j'ai le Mi-Pair. Maintenant que t'as le Mi-Pair, ouais. Je commence. Ça, c'est grave. Ah, regarde, on va voir les camions. Eh, les amis, je m'attendais à tout sauf au camion pimpé. Et là, regardez, des lumières, des plaques. Non, c'est trop méchant. C'est trop méchant. Incroyable. Et regardez lui avec l'œuvre d'art qu'il y a derrière. Tu vois un avion, un destroyer en dessous. Peut-être que ça recompose, je suppose, une scène de guerre. Hashtag analyse. Regarde. C'est un pont tout. Ah. Non, c'est méchant. On passe à l'avant pour regarder. Oh là là. Non, de devant, c'est trop méchant. Je connaissais le tuning. J'avais eu la chance de venir à Daikoku l'an dernier. Et je connaissais pas le tuning de camion. Mais regardez ça. T'as l'impression que c'est la fête foraine. C'est même pas pour être insultant, c'est que les lumières, ça pète. Est-ce que tu t'attendais à ça? Mais vraiment pas, mais en plus ce qu'il a dit c'est que c'est hyper rare d'avoir des camions comme ça. Non franchement c'est exceptionnel hein. J'avoue que même en tant que novice t'es là, t'es émerveillé devant absolument tout et n'importe quoi, c'est incroyable. Non vraiment pour de vrai vous avez vraiment de la chance parce que ils ont vraiment leur spot. Je sais qu'ils se rejoignent sur des aires d'autoroute un peu plus loin, un peu plus reculés, ils viennent pas souvent ici. Peut-être qu'avant, dans les 5 ans, mes 6 ans de vie ici, je les ai vus une seule fois ici. C'est un peu ton délire, genre de truc ou vraiment pas spécialement? Ouais. Tu vois, c'est kit de ouf, mais, ouais. Mais tu sais que le mec vit dedans, enfin ouais. Tu vois, c'est sa passion, vraiment, il a tout mis dedans, tu vois. Les containers et tout, genre c'est des trucs dans lesquels ils peuvent vivre, enfin ils peuvent aménager des trois trucs. Non, je pense que c'est juste vraiment, c'est des camions qu'ils utilisent pour transporter travailler, de la... Ouais, c'est vraiment, je pense qu'ils taffent avec, tu vois. Alors je voulais vous montrer un truc et dans ma grande naïveté c'est là où je me rends compte que des fois je suis impressionnable pour pas grand chose, mais j'ai pu voir ici des véhicules penchés comme celui devant moi, je vais vous montrer, je savais pas que ça existait. Regardez celui-là, c'est un peu comme celui qu'on a vu avant, il est penché sur le côté,
il rappe quasiment le sol d'un côté. Ça donne un effet certain et je suis sûr qu'il doit pouvoir rouler normalement, mais franchement, c'est ouf à voir. C'est le moment. Comme expliqué par Louis, c'est le moment. Il dégage tout le monde. Donc il faut qu'on bouge, mais on va pas simplement bouger, on va changer de spot. Tout le monde va bouger, ça avait déjà commencé à se vider. Et on va pouvoir changer de spot et aller dans un autre endroit. La soirée n'est pas encore terminée, les amis. Bon, là mon gars, faut qu'on avance tout de suite. Immense dinguerie, deuxième spot de la soirée. Il y a beaucoup de vent, désolé. Deuxième spot de la soirée, c'est là où se réunissent les gens après Daikoku, une fois que la police a vidé. Et là, apparemment, énorme dinguerie. Il y a une voiture d'une rareté et d'une valeur extrêmement élevée. Ça s'appelle McLaren comment? McLaren Senna. McLaren Senna. C'est... frère, j'ai même pas les mots. Genre, c'est... Non, vraiment, j'ai même pas les mots, frère. Il y a Kezia, il a envie de pleurer, les gars. Regardez, je vous montre. Là, frère, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, le spot est magnifique parce que regardez, il est en plein air, donc il y a beaucoup de vent. Mais alors, regardez ça. Louis, tu nous disais que ça, là, c'était hyper rare. Ouais, c'est un bordel, hein, vraiment. J'en ai jamais vu, moi. C'est quoi, c'est une édition super limitée? En fait, c'est l'hypercar de chez McLaren et c'est extrêmement limité. C'est des voitures de course sur la route, tu vois, vraiment, pour le coup. Par exemple, tu vois, si tu vas chez Ferrari, tu peux, ouais. Donc déjà, c'est déjà premium et tout. Mais chez Ferrari, ils ont un truc qui s'appelle TaylorMade, où en fait, tu peux choisir toutes les couleurs, tous les détails, machin, et ça coûte méga cher. Et l'équivalent chez McLaren, c'est MSO. Donc, tu sais, c'est des couleurs qui n'existent pas. Il doit y avoir une seule McLaren avec cette couleur-là, tu vois, l'espèce de... Le vert, un peu. Ouais, vert, bleu, enfin, je sais pas. Vert c'est... bleuté, ouais. Voilà, c'est massif. Et la beauté du spot là de jour, ouais, ça doit être dingue. Là, c'est le côté, tiens, il y a un feu d'artifice là-bas, regarde. Ah oui, on voit de loin. Alors le proprio est juste derrière moi et il a dit qu'il avait payé celle-ci 1,6 million de dollars. 1,6 million de dollars à l'achat. Alors à la revente, je sais pas combien ça vaut, mais 1,6 million. On a trouvé une voiture magnifique qui appartient à un Français qui habite ici. Comment ça se fait que t'as une voiture aussi belle? Parce que je travaille. Magnifique, franchement. T'es là depuis combien de temps? Ça fait 9 ans que je suis là. 9 ans? Ouais. Et tu viens souvent dans les rassemblements et trucs comme ça? Moyennement. Normalement, je suis plus moto, mais je ramène la voiture dans le monde. Putain, une Aston Martin là, ouais. Comme ça? Parce qu'elle est stock en fait, tu vois. Donc c'est pas forcément intéressant pour les voitures tuning, etc. Putain, mais... le vert est bien beau! Ouais, je l'ai payé SP pour ça en fait. Zach, devine son âge. T'as quel âge? C'est pas indiscret. Devine. 34? Oh, il est bon. Non, c'est pas ça. 40? Ouais. Il les fait pas du tout. Tu les fais pas du tout. Merci. Mec. Merci. Oh, ça envoie. Atlantic Cars Limited. Un mec, c'est oufissime. J'accélère une fois. Ah, fais-moi kiffer, hein. Ouh là là. C'est quoi les caractéristiques un peu de cette voiture? V12 500 chevaux. C'est V12, simple. 500 chevaux. C'est ça. C'est simple. Pas besoin de faire très compliqué. Exactement. Tu sens la voiture qui vibre un peu? Bah ouais, moi. Ça fait plaisir, ça. Ça vibre en dessous de mes fesses, mec. Ouais. C'est fou, hein. Putain, le cuir et tout là, c'est putain de confortable, c'est agréable, hein. C'est Aston Martin, quoi. Aston Martin, c'est de la finition, de la qualité. Et cette voiture en particulier, ils ont mis beaucoup d'attention dedans, quoi. Mec, tu sais que la voiture est exceptionnelle. Bah, merci. Merci beaucoup. Et toi, on arrive à la fin du trip voyage ici, du trip Japon. Ici, ouais. J'ai pu faire du sport et tout machin. Ça se voit, t'es un sportif, toi. Bah, je t'ai demandé de faire du sport sur le. Attends, tu sais que c'est moi ou pas? Anthony? Oui. Anthony. Je t'ai dit de venir à la gym et de courir ensemble. C'est ah moi. Oui. Mais oui. Putain. Mais oui. Mec, franchement, incroyable. Je suis trop content de te voir. C'est une belle surprise, franchement. Ben merci. C'est belle, c'est belle. C'est une belle surprise de te voir sur. Il faut qu'on aille courir ensemble. Moi, je pars mardi. Ok. Je crois que lundi il pleut. Lundi pleut. Je crois, mais s'il pleut pas, on peut aller courir lundi. Ok. Moi, je suis preneur. Tu cours vers où, toi? Mec, je suis vers Shinjuku.
mais en vrai je peux bouger. Donc en vrai moi je suis chaud. Est-ce que je suis gourmand si je te demande on peut faire un tour? Tu veux faire un tour? Est-ce que c'est gourmand? Je sais pas si la place elle a de la valeur ou autre, si c'est possible. Si c'est pas possible, y a pas de souci. Non non, on va faire un tour, mais tu sais quoi, on va le faire à la fin je pense. Parfait. Les amis, dans cette partie de vlog dédiée à la voiture, on vous avait promis rassemblement, belle voiture, du monde et des choses intéressantes. Je pense qu'on vous a rempli à peu près le contrat à 100%. Il ne reste qu'une seule chose, à savoir pouvoir monter dans une voiture. Et bah ça va être chose faite, on va y aller avec JC qui va nous déposer dans sa belle Aston Martin. On espère voir de belles choses, le chemin retour va être joli. Je suis encore avec mon frère Yas, ça va ou quoi? Je suis encore en stream depuis tout à l'heure, ça va les gars? Et oui, ça régale. Et donc du coup, j'ai la caméra, on est devant, c'est parti. Louis, ça lui a donné un boulevard. Incroyable. Le rugissement ça tue. Vraiment. Vas-y, top 5 bouffes au Japon. Pour moi? Ouais. Okonomiyaki. Ok. Yakisoba. Yakisoba, très bien, c'est les grosses pâtes ça. Ouais. Ah, je kiffe le carré udon aussi. Le carré udon udon au curry. Ok. Le ramen, tu sais quoi le ramen? Je l'ai vérité, je trouve qu'au début c'est bon. Et en fait, plus tu manges, plus ça devient écœurant en fait. Ok, intéressant. Les premières bouchées, c'est excellent. Tu vois, genre t'as les papilles qui se réveillent. Ouais. Et puis à la fin, t'es là. Putain, moi je kiffe moi. Ah ouais? Ah ouais, je suis un bandeur, moi je kiffe les ramen. Hein. Donc ça. Et après c'est sweet, c'est taiyaki. Tu connais taiyaki? Teriyaki? Taiyaki. Taiyaki, oui. C'est une espèce de poisson avec oui. Genre de la custard à l'intérieur, etc. Ouais, je connais ça. Ouais, c'est bon. Oh là 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 là. Faut savoir que je suis très Aston Martin et je suis très non, je vais pas dire que je suis très Porsche, mais j'aime Porsche. Mais je vais dire pourquoi. En fait, j'aime pas les voitures trop matu vues. La McLaren de tout à l'heure. La McLaren, elle est ouf. Mais pareil, je pense que la McLaren, en fait, elle est trop chère pour s'amuser avec. Ok, ouais. Tu vois ce que je veux dire? 6, il m'avait dit le mec. Elle est quoi? Ouais, 1,6 million. Et 1,6 million pour moi, c'est trop cher pour jouer avec, tu vois. Ouais. Genre, je pense à une voiture entre 150 et 200 000 euros, tu peux jouer avec. Si tu la casses, tu vois, tu te dis, putain, j'ai merdé. Mais t'as kiffé. Mais j'ai kiffé. 1,5 million, tu dis, putain. C'est un peu trop. Hein. Ouais. Et puis après, il faut penser à la maintenance, faut penser, tu sais, aux trucs chiants, tu vois. Rien à voir, mais c'est peut-être pour parler sur les trucs chers. Mais il y avait un proverbe que j'avais entendu dans le monde naval qui disait un bateau, tu pleures deux fois quand tu l'achètes et quand tu le revends. Enfin, ouais. Tu souris deux fois, pardon. Ok. Un bateau, tu souris deux fois quand tu l'achètes parce que t'es content et quand tu le revends parce que t'es content. Tellement, entre les deux, t'as que des emmerdes. Ah, ok. Et oui, parce que t'as que des emmerdes, la maintenance très chère, des problèmes. Ouais. Alors, je sais pas si ça se met aussi sur les véhicules très chers, mais... Bah, sur les véhicules très chers, ouais. Les amis, est-ce que c'est pas le moment fatidique de conclure cet arc Japon 2? Ah, c'est le dernier? Bah, techniquement, c'est l'outro du dernier vlog, mais putain. Peut-être une vidéo YouTube sur ma chaîne. Peut-être. Tu veux la tourner quand, toi? Bah, peut-être lundi, mais il fait pas beau. Mais on peut regarder pour lundi, mais en tout cas, les amis, merci à vous d'avoir suivi justement tout cet arc. C'était de la frappe. Hein. Merci à tous ceux qui ont regardé. Je parle au nom de Zach, de Joël qui n'est pas là, de Hugo, de qui vous voulez. Merci à tous ceux qui ont regardé les vlogs. Oui. J'espère que vous avez kiffé. Nous, en tout cas, on a grave kiffé. On n'oublie pas que c'est grâce à toi, là, derrière ton écran, là, tu vois. Toi, c'est grâce à toi, mec, qu'on est ici, qu'on peut te proposer ce contenu que tu aimes becter, que tu réclames chaque année, mec. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et en parlant de chaque année, on fera sans doute un autre voyage l'an prochain, ou ce sera à déterminer, mais merci pour le soutien sur les émissions, que ce soit avec Andy Baki Baffé, ou alors avec Mitsugi. Les vlogs, 13 épisodes, ça fait extrêmement plaisir. Et ça permet de se rendre compte du soutien, de tout ce qu'on voulait faire, etc. Là, c'était très sportif. 5,
sport automobile un petit peu, découverte, drift. Mais encore une fois, merci également à tous ceux qui ont permis ça, que ce soit dans mon équipe, les marques qui nous ont suivis, ou alors les frérots franco-japonais, créateurs de contenu, qui nous permettent aussi de vivre des choses. Mitsu, Tev, bien évidemment, Louis qu'on a croisé, Citron Violet, Ichiban, ouais. Tous les frérots, JC, Louis, tous Léo, les gens qui nous ont suivis. Vraiment, tout. C'est ouf hein, comment il y a des gens qui ont vraiment apporté quelque chose. Mais en tout cas, ça régale, on termine là, un petit peu malade. Là, normalement, mais... on doit se faire un câlin, musique triste, on part tous les deux dans notre chemin et c'est terminé, bonsoir. Allez, Japon 2, c'est terminé et on se dit à l'année prochaine.